Les talibans ne sont pas un mouvement religieux, c'est un mouvement de religieux. Ils ont en gros trois caractéristiques. D'abord, ce sont essentiellement des membres de l'ethnie pachtoune, l'ethnie qui a traditionnellement tenu le pouvoir en Afghanistan, sauf pendant la première moitié des années 90, 1990. Deuxièmement, ils viennent essentiellement des zones tribales pachtounes du sud de l'Afghanistan, c'est-à-dire également le lieu d'origine de la monarchie afghane, le lieu d'origine du pouvoir qui a créé l'Afghanistan au début du 19e siècle. Et troisièmement, ce sont des élèves de madrasa, d'écoles religieuses. Ils ont une formation essentiellement de juristes, de qazis. Et je dirais que leur obsession, c'est la loi islamique, c'est la charia, c'est de mettre en place des tribunaux, c'est leur spécialité. Donc c'est beaucoup plus une corporation de juges religieux qu'un mouvement religieux. Ils n'ont pas de théologie particulière. Ils se reconnaissent dans le rite hanafite, dans l'école dite Déobandi du sous-continent indien. Ils ont évidemment été très, très influencés par le salafisme qui s'est développé dans ces écoles, dans ces réseaux d'écoles au cours des années 80. Mais ils n'ont pas inventé une théologie particulière ou un mouvement religieux particulier. Il faut voir que la victoire des talibans, c'est moins la victoire des talibans que la défaite, ou l'effondrement plutôt que la défaite, l'effondrement du système politique mis en place par les Américains en 2001. Les Américains sont intervenus en 2001 simplement pour se débarrasser de Ben Laden. Ils n'avaient pas de projet de construire un État en Afghanistan. Mais une fois le pays tenu, ils ont estimé que bon, il fallait effectivement faire du state building, de la construction de l'État. Ils se sont appuyés sur la coalition du Nord, sur les grandes familles aristocratiques pachtounes du Sud, et ils ont essayé de construire un État clé en main, avec une constitution, des ministères, un système pénal, etc., et une armée nationale. Ils n'ont pas du tout pris en compte l'anthropologie politique de l'Afghanistan, c'est-à-dire comment les Afghans ont l'habitude de régler leurs problèmes, et surtout, je dirais, au niveau local. Ils se sont pas du tout intéressés à la micropolitique qui est essentielle en Afghanistan. Et puis surtout, ils ont déversé des milliers de milliards de dollars. Or, quand on déverse des milliers de milliards de dollars dans un pays pauvre, en le faisant passer cet argent par l'intermédiaire d'un État créé de toutes pièces, on fait quoi? On crée de la corruption. Je crois que le problème majeur qui explique l'effondrement de cet État, c'est la corruption. Les juges ne jugeaient pas, il fallait payer les juges pour obtenir un jugement. Les soldats ne touchaient pas leur solde, ou une grande partie de la solde était prélevée par les officiers ou par des fonctionnaires du ministère de la Défense. Les différents ministres vendaient les concessions minières, etc., aux plus offrants. Et je crois que ce qui a dégoûté la population afghane, c'est cette corruption. Surtout, une armée qui n'existe que sur le papier n'est évidemment pas capable de se battre contre les talibans. Donc les talibans sont apparus, je dirais, en négatif, comme non corrompus, ce qu'ils sont pour le moment, et comme aptes à gérer les micro-conflits. Qu'est-ce que j'appelle les micro-conflits? Eh bien, les questions de terre, par exemple, de bornage de champs, de droit d'eau, d'irrigation, de vendetta entre groupes, etc. Les talibans ont une justice de proximité, une justice expéditive, bien entendu, purement orale, mais où on règle les conflits locaux en une journée et sans demander dépôt de vin de la part de la population. Voilà. Et ça explique comment ils ont pu s'étendre dans tout le pays, au niveau de la société civile, sans avoir à combattre. Et ça explique aussi pourquoi, l'armée s'est tout simplement débandée devant eux. Alors, il ne s'agit pas d'une évolution idéologique, hein. Les talibans, d'abord, n'ont pas vraiment d'idéologie. Ils ont une vision très traditionnelle de la société, c'est-à-dire une société qui est telle qu'elle est. Ils ne sont pas du tout pour reconstruire les relations sociales, ce n'est pas leur affaire. Ils sont pour rétablir la justice à partir de la charia, aussi bien sur le pénal que pour le civil.
Ce sont des nationalistes, ils l'ont toujours été, ils s'inscrivent explicitement dans la tradition des Pashtuns de construire et de gérer l'État d'Afghanistan. Ils se réclament par exemple de la constitution de 1964, des choses comme ça. Ils reconnaissent les frontières, ils les ont toujours reconnues. Donc, qu'est-ce qui a évolué chez eux ? Je dirais deux choses. Ils sont devenus réalistes sur le plan géostratégique et ils ont compris que la société afghane a évolué. Comment est-ce qu'ils ont atteint ces deux choses ? Ils sont devenus réalistes parce qu'ils ont été battus en 2001. Ils se sont posé la question, mais oui, mais pourquoi on a été battu aussi facilement en 2001 ? Eh bien, c'est parce qu'on avait soutenu Ben Laden. Ils n'auraient pas soutenu Ben Laden, les Américains ne seraient jamais intervenus en Afghanistan. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas intervenus pour libérer la femme afghane, nous sommes intervenus pour tuer Ben Laden. Ça n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc, les talibans ont compris qu'à partir du moment où ils donnaient des gages de sécurité à la communauté internationale sur la question du terrorisme, du djihad et de la reconnaissance des frontières, eh ben, on leur laisserait faire ce qu'ils veulent en Afghanistan. Voilà ce qui est le fond de l'affaire. Deuxièmement, ils ont évolué culturellement, je dirais plutôt qu'idéologiquement. Les 20 années qu'ils ont passées en exil, ils les ont passées au Pakistan, au Qatar, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, etc. Et là, ils ont vu des sociétés qui étaient musulmanes, des sociétés où la charia jouait un grand rôle, mais des sociétés, en tout cas pour le Golfe, qui étaient riches, des sociétés où il y avait des classes moyennes et où les femmes, tout en portant le voile, jouaient un certain rôle ou du moins étaient en train de s'émanciper, comme on peut le voir aujourd'hui en Arabie Saoudite avec les réformes de MBS. Donc, ils se sont aperçus, en gros, qu'il y avait un autre modèle de société musulmane respectueuse de la charia. Bon. Qu'il y avait une autre conception de la place de la femme musulmane dans une société musulmane. Surtout, ils ont très bien compris, ils savent parfaitement que Kaboul, c'est un autre monde. Kaboul, quand ils ont quitté Kaboul en 2001, il n'y avait pas 1 million d'habitants à Kaboul. Hein. Les élites étaient parties. 20 ans de régime soutenu par les Américains, on a 6 millions d'habitants à Kaboul. On a une classe moyenne, on a des jeunes qui sont éduqués, qui sont habitués, disons, à un mode de vie. Tout le monde, presque tout le monde, est branché sur Internet. Tout le monde a un téléphone portable, tout le monde est connecté, etc. Et les femmes ont accédé à des positions dans l'administration, mais dans l'économie aussi, c'est important. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir à la situation de 2000. Donc, ils cherchent finalement une espèce de compromis. Bien entendu, la place des femmes va être réduite, c'est évident, mais ils ne reviendront pas à ce qui était leur vision de 1996, c'est-à-dire les femmes confinées à la maison et qui ne peuvent sortir qu'en burqa, accompagnées d'un mahram, d'un tuteur de leur famille. Alors là, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. L'Afghanistan n'est pas le Moyen-Orient. L'Afghanistan, c'est d'un côté le sous-continent indien, de l'autre côté l'Asie centrale. Donc, je pense que ce qui se passe en Afghanistan n'a pas d'impact au Moyen-Orient. On voit d'ailleurs que l'opinion publique arabe n'est pas très intéressée, n'a jamais été très intéressée par ce qui se passe en Afghanistan. Le désengagement des troupes occidentales, enfin, aussi évidemment des Américains, n'a pas commencé avec le départ de Kaboul au mois d'août. Il a commencé bien avant. On peut dire, en gros, c'est la décision d'Obama en 2013 de ne pas intervenir militairement contre le régime de Bachar al-Assad qui signe le début du retrait des Américains. Et on a une grande continuité. À partir de cette décision d'Obama, Trump va diminuer le nombre de troupes en Syrie et en Afghanistan et Biden va siffler la fin de la partie. Donc, c'est clair, le désengagement américain sur l'ensemble de la zone, Moyen-Orient, Asie centrale, il est continu et il est en train de s'achever. Ce qui veut dire que les Américains renoncent au contrôle territorial, ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Ils renoncent au state building, construire un État occidental dans des pays musulmans. Et ils se retirent tout en banc. Ils sont toujours là de sa manière, mais enfin, ils se retirent. Alors, quelles sont les conséquences géostratégiques ? Là, je crois qu'il faut aussi distinguer le Moyen-Orient de l'Asie centrale. Pour l'Asie centrale, il n'y a aucune conséquence géostratégique. L'Afghanistan n'a jamais été une priorité pour les Américains. Les Américains, en 1996, quand les talibans ont pris Kaboul, les Américains se sont félicités de la prise de Kaboul par les talibans.
les Américains n'ont pas de visée en Asie centrale, ex-soviétique, ce n'est pas leur problème, hein, ce sont les Chinois qui ont intérêt. Les Américains ne veulent pas se mêler de ce qui se passe au Pakistan, et les Américains veulent contrer l'Iran au Moyen-Orient. Les Américains ne sont pas inquiets d'une influence de l'Iran en Afghanistan, parce que l'Iran n'a qu'un seul levier en Afghanistan, qui est une minorité chiite qui sera bien contrôlée par les talibans. Donc, pour les Américains, ce n'est pas un problème. Hein. On dit une défaite américaine. Non, ça n'a rien à voir avec le Vietnam. La défaite américaine au Vietnam, c'était le fait que c'était le passage du Vietnam dans l'empire soviétique, enfin dans l'empire communiste, disons. C'est une défaite géostratégique. En Afghanistan, non, pas du tout. Et au Moyen-Orient, dans le fond, on peut effectivement se poser la question. Quels sont les intérêts géostratégiques des Américains au Moyen-Orient? Ça n'est plus le pétrole, hein, depuis longtemps. La défense d'Israël, bon, Israël se défend très bien tout seul, surtout qu'Israël a fait une percée diplomatique maintenant dans la plupart des pays arabes conservateurs du Moyen-Orient, donc Israël n'est plus menacé. L'Iran est très bien contenu par l'alliance de fait entre Israël, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, et en background, la Turquie, donc ça n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On revient au Moyen-Orient, en Asie centrale, au jeu des puissances régionales. Voilà, ça devient un jeu régional qui n'influe pas sur les grands équilibres géostratégiques au niveau mondial. Alors, quel est le pire ennemi des talibans aujourd'hui en Afghanistan? Ça n'est pas l'ancien régime. Les talibans sont en train de négocier avec le fils Massoud, ils ont négocié avec Ismail Khan, ils ont négocié avec l'ancien président Karzai, etc., etc. La pire menace pour les talibans, c'est Daesh. C'est l'État islamique qui s'est installé dans certaines zones de l'Est de l'Afghanistan. Ce sont ceux qui ont fait sauter des kamikazes à l'aéroport de Kaboul à la fin du mois d'août. Bon. Et pour les talibans, c'est une menace existentielle parce que les Daesh contestent la légitimité islamique des talibans, ce qui est évidemment pour les talibans impossible à supporter. Daesh reproche aux talibans d'avoir négocié avec les Américains, d'accepter les frontières nationales et de faire un accord avec les chiites. Bon. Et là-dessus, les talibans ne négocieront pas. Donc, les talibans, dans la lutte contre Daesh, sont dans le camp des Occidentaux, clair et net. Bon. Al-Qaïda. Ben, je veux dire, pourquoi voulez-vous qu'Al-Qaïda revienne s'installer en Afghanistan, où ils se feront immédiatement bombarder par les Américains, alors que Al-Qaïda est très bien installé au Pakistan, dans un pays qui est géré par un gouvernement considéré comme amical par les Américains, et où donc les Américains sont beaucoup plus prudents quand ils font des interventions militaires au Pakistan. Ils en ont fait qu'une pour tuer Ben Laden. Donc, en fait, Al-Qaïda est bien mieux protégé en restant au Pakistan qu'en allant en Afghanistan. D'autre part, la capacité de projection à l'extérieur d'Al-Qaïda s'est beaucoup affaiblie, très nettement. Il n'y a plus d'attentats internationaux maintenant faits à l'instigation d'Al-Qaïda. Donc, Al-Qaïda n'est plus vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La menace, c'est beaucoup moins le terrorisme international, ce sont les djihads locaux. Le Mali, ce qu'on peut voir dans certaines zones du Yémen, Mozambique, Syrie, bon, voilà, c'est ça le problème. Et la leçon de l'intervention en Afghanistan, c'est que quand un djihad local s'enracine dans un pays, c'est parce qu'il y a de bonnes raisons pour ça. C'est parce qu'il y a une partie de la population qui a de bonnes raisons de rejoindre le djihad local. Donc, en fait, la leçon de cette affaire-là, c'est que les djihads locaux, il faut penser avant tout à des solutions politiques à partir des acteurs locaux et pas à partir d'une intervention extérieure. Et le vrai danger, c'est le djihad global, c'est-à-dire toujours ce qui reste de Daesh, ce qui reste de l'État islamique en Syrie. Alors, la situation est mauvaise. La situation humanitaire est mauvaise. En plus, il y a eu des sécheresses, etc. Il n'y aura pas de soulèvement national. L'Afghanistan, il n'y a jamais de soulèvement national, sauf quand les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Les soulèvements sont toujours locaux. Mais évidemment, une addition de soulèvements locaux poserait de très gros problèmes aux talibans. Donc, la seule solution pour les talibans, c'est d'obtenir la coopération internationale, plus que l'aide. Par exemple, les fonds
gouvernementaux, les fonds étatiques afghans sont placés à l'étranger. Donc, les talibans ont besoin de la reconnaissance internationale pour avoir accès à ces fonds. Donc, il faut qu'ils négocient leur reconnaissance. Et évidemment, je pense que la communauté internationale a intérêt à négocier avec les talibans la reconnaissance des talibans et à débloquer les fonds qui sont de toute façon la propriété de l'État afghan. Ensuite, il y a les aides internationales des différentes agences de l'ONU, l'aide du FMI, etc. Bon, il faut payer les fonctionnaires, hein, par exemple. Et donc, il y a besoin d'une avance de cash par le FMI ou par les agences internationales. Voilà. Donc, la voie, pour le moment, c'est ça. C'est une voie de négociation entre le gouvernement des talibans, qui veulent gouverner avec des ministères techniques, avec des accords internationaux, etc., et la communauté internationale. Il faut également penser à l'aide humanitaire. Il faut voir une chose, les ONG internationales ne sont pas parties. Médecins sans frontières, ACTED, sont restés en Afghanistan avec l'accord des talibans. Les talibans savent très bien que cette aide est bienvenue. Donc, il faut, au lieu d'appeler tout le monde à quitter au plus vite, etc., il faut au contraire revenir. Mais revenir par l'aide humanitaire, par la coopération, et pas du tout par, évidemment, par la pression militaire.